funny talk. I hate all these decibels. I know that I need it, but I'd rather watch dogs walk. I hate that they have a badge. I hate that they shoot at us. I know they ain't all bad, but they stop me cause I'm black. I hate all this funny talk. I hate all these decibels. Merci à tous, à la culture, et vous savez que c'est là ma priorité, et le pass culture en sera un des effets, évidemment, que nous avons, que nous commençons à faire très sérieusement. I hate all this body talk, I hate all this death talk. Ça va pas bien, moi. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi, ça va pas mal. Hein. Disons que tant que je suis sur mes deux bras, ouais, bon, on va dire que je vais pas bien. Non, tant que je suis sur mes deux jambes, c'est que ça va pas mal. Hein. Bon. Il faut enchaîner après une intro comme ça, et c'est pas gagné d'avance. Je voulais vous parler d'une chose précise, évidemment. Allez, enchaîne. Oh. C'était il y a 2 ans. Monsieur Macron s'était fait élire président de la République française, et le 17 mai 2017, son Premier ministre, Édouard Philippe, annonçait la composition du gouvernement. Et il y a une nomination qui m'a inquiété, c'était celle de Françoise Nyssen au poste de ministre de la Culture. J'ai pas attendu que Monsieur Mélenchon, assez rapidement, la décrive sur BFM TV, je cite, comme une ministre de la Culture plus ou moins liée aux sectes, pour avoir aussi cette inquiétude. Ça faisait une quinzaine d'années que j'étudie ce qu'il appelle la secte, sans vraiment la nommer. Il s'agit de la fameuse anthroposophie, dont je rappelle encore et toujours, je n'appellerais pas ça une secte en tout cas, bon bref, je dirais plutôt que c'est une religion qui jusqu'à présent masque sa fonction, et puis c'est une religion qui a été créée par un austro-allemand du début du XXe siècle, du nom de Rudolf Steiner. Il était doué de clairvoyance, inspiré par les dieux, et à l'époque où les sociétés faisaient florès, il a créé la sienne. C'est de sa conception cosmogonique du monde délivré par les dieux qu'il a créé la biodynamie, la pédagogie Waldorf, une façon de gérer l'économie, une médecine, des rites religieux, et j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que c'est difficile pour M. Mélenchon, peut-être, de parler d'anthroposophie, puisque lui-même a eu, disons, des rapports non pas intimes, mais des discussions avec des anthroposophes qu'il a même promus sur sa propre chaîne YouTube, celle de Jean-Luc Mélenchon. Donc. Ouais, il est allé rendre visite, je crois que c'était en 2015, à des vignerons pour vanter le local, le savoir-faire, l'ancienne, ce que briguent d'ailleurs officiellement les anthroposophes, une manière de faire plus naturelle que le bio. Hein. Sauf que ces vignerons étaient anthroposophes. C'est quand même cocasse, quelques années plus tard, de dire que Nyssen était lié aux sectes. Ça, c'est... Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Valentin Morel. Et il commence sa carrière de viticulteur en faisant du bio et du naturel. Moi, j'applique la biodynamie, mais je l'applique plutôt dans un sens pascalien, en disant, mais puisque je ne sais pas si vraiment il y a un résultat, dans le doute, je l'applique quand même. Mais moi, personnellement, je suis sceptique. Magnifique, le Paris pascalien. C'est à cette époque, en mai 2017, que j'ai fait ma première vidéo sur le milieu du New Age et de l'anthroposophie en particulier, en parlant de Madame Nyssen et de ses liens plus que ténus avec ce mouvement. Lien qu'elle a d'ailleurs balayé d'un revers de main. Sauf que, le temps passant, en plus d'affaires d'ordre fiscal qui ressortaient, certains commençaient à voir les liens entre Madame Nyssen, l'école qu'elle a créée à Arles, la pédagogie Waldorf Steiner et l'anthroposophie. En août 2018, déflagration journalistique, Jean-Baptiste Mallet sort un article explosif dans le monde diplomatique, un article sur l'anthroposophie, et il précise les liens de Madame Nyssen avec ce milieu, et même avec des personnes haut placées dans ce mouvement. Cet article et celui du mois suivant fait vaciller très sérieusement l'anthroposophie, Pierre Rabhi, Madame Nyssen. L'étau se resserre.
Mardi 18 septembre 2018, une double page est consacrée à Madame Nissen dans le quotidien La Provence. Un article de Madame Delphine Tanguy ayant pour titre « À Arles, l'école de Françoise Nissen dans la tourmente ». Et en exergue ce prologue, le projet pédagogique du domaine du possible a-t-il dérapé? Démissions et évictions se succèdent, enquête sur une crise. On apprend dans cet article que Madame Nissen se désolidarise de l'école. Ou pour être plus fidèle en reprenant les termes exacts de l'article, je cite « Moi, j'ai choisi de faire une coupure claire avec cette école à laquelle je reste fier d'avoir participé. » Fin de citation. Du coup, c'est son compagnon, Jean-Paul Capitani, qui s'y colle. On apprend dans l'article de La Provence qu'il y a eu un clash, c'est le terme utilisé, le 6 juillet 2018, et que le directeur s'est fait virer. D'ailleurs, il y a une source qui dit à Madame Delphine Tanguy, l'auteur de l'article, je cite, c'était ce qui s'appelle se faire virer salement. Monsieur Capitani nomme d'urgence notre directeur en attendant d'en trouver un stable et solide présent pour une durée constructive. Un mois après, c'est Madame Nissen qui est débarquée, qui est virée du poste de ministre de la Culture. Alors je suppose qu'elle est retournée à ses affaires d'éditrice. En tout cas, elle revient en ce moment sur le devant de la scène pour faire la promotion d'un livre, Plaisir et nécessité, paru chez Stock le 5 juin 2019, et qui raconte son périple politique, elle qui est une femme de la vie active. Elle passe de partout, télé, magazines, journaux et radio. D'ailleurs, hier matin, jeudi 5 juin 2019, Augustin Trapenard l'interview sur France Inter. Et justement, il l'interroge en fin d'entretien sur le sujet qui nous occupe. Cette école, Françoise Nissen, quand on vous a rapproché ces dérives pédagogiques, quand on l'a comparé à une secte même parfois, qu'est-ce que vous avez dit là? C'était tellement hors sol et ça n'avait... c'était polémique pour être polémique et pour déstabiliser. C'est ce que j'ai découvert en rentrant en politique et en responsabilité politique, c'est que la volonté de déstabiliser, elle permet tout. Et là, c'est absolument insensé parce que, évidemment, pas de dérive. On avait un directeur de l'école pour la création que je connaissais et qui venait des écoles Steiner. On lui a très clairement mis le projet entre les mains, créer une école du projet pour les enfants d'aujourd'hui, locale, au contact de la nature, au contact de la culture aussi, que se nourrit. À cette école, on chante tous les matins, il y a la nature, il y a le potager, on fait du cheval, il y a toute la pratique des arts. Il se fait qu'il s'est un peu refermé sur la pédagogie Steiner. Toutes les pédagogies d'aujourd'hui, enfin, qu'on connaît, Freinet, Montessori, Steiner, sont des pédagogies qui ont été élaborées il y a des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Aujourd'hui, il est urgent de regarder l'enfant et de regarder devant nous et d'accompagner l'enfant dans sa capacité à être. Et c'est le projet de cette école. Donc on s'est séparé de ce directeur. Un nouveau est arrivé et qui est un spécialiste de la pédagogie et qui est à fond dans cette idée de l'école du projet qui se nourrit de tout. Alors, cette affirmation d'anthroposophie, elle est hors sol. Elle n'a pas de fondement. Alors, on a entendu Madame Nissen, je vais reprendre ses propos, quant à l'accusation qui dit que l'anthroposophie est liée à l'école qu'elle a créée. Mais si elle dit, c'est insensé. C'est hors sol. C'est donc une accusation infondée. Des attaques politiques, qui est un milieu où tous les coups sont permis. Voilà, on a essayé de l'attaquer, de la déstabiliser, c'est ça. Son directeur, certes, son directeur d'école était certes issu de la pédagogie Steiner, mais voilà, qui est une pédagogie comme Montessori, Freinet, voilà, c'est juste que lui était un peu plus Steiner, mais c'est pas le projet de l'école, quoi. Bon, on s'est séparé de lui, et puis un autre est arrivé, voilà, c'est tout, quoi. Bon, on la sent pas très très sereine dans cette entretien, dans cette partie de l'entretien, pas très claire. Pourtant, le journaliste est plutôt bienveillant, et pose une question comme celle-ci, non pas pour la coincer, mais pour lui permettre de s'expliquer tranquillement. Et il ne va pas ensuite essayer de la contredire ou de poser d'autres arguments. D'ailleurs, la discussion passe complètement à autre chose. Voilà. C'était un prof plutôt plus Steiner, donc on s'en est séparé. Mais enfin, un directeur un peu plus Steiner. Il faut le dire quand même, la pédagogie Waldorf-Steiner est issue de l'anthroposophie. C'est indissociable. Sans anthroposophie, il n'y a pas de pédagogie Waldorf-Steiner. Ça n'existe pas.
Sans anthroposophie, il n'y a pas de pédagogie Waldorf. Alors, je vais un peu plus préciser toute cette histoire quand même, qui n'est pas claire quand Madame Nissen l'explique, qui va l'être peut-être un peu plus pour vous si vous m'écoutez jusqu'au bout. Alors, je vais remonter jusqu'en 2002. Madame Nissen, donc, est éditrice de la Maison Actes Sud, qui est basée à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Et en 2002, elle connaît un drame terrible que je ne souhaite à personne, vraiment à personne, qui fait que j'ai de la compassion pour cette dame, hein, comme pour toute personne humaine qui vit ce drame. Je ne souhaite à aucun parent, elle perd son fils. Et pire que ça, son fils se suicide. C'est terrible. C'est terrible à vivre. Et je ne suis pas en train de faire du gala ou du closer, hein. Je reprends ce qu'elle disait elle-même en long et en large dans les médias. Alors, il s'avérait, d'après les propos de Madame Nissen, que son fils ne rentrait pas dans le moule. C'est les termes qu'elle utilise. Et d'ailleurs, avant que ce jeune homme commette l'acte terrible, on l'a changé d'école, on l'a mis dans une école Waldorfsteiner, près d'Avignon, dans le Vaucluse. D'ailleurs, Madame Nissen dit dans l'interview sur France Inter qu'elle connaissait le directeur qu'elle a embauché. On se connaissait. Mais bien sûr qu'elle le connaissait. C'est Monsieur Henri Daron, qui était le directeur de l'école Waldorfsteiner près d'Avignon, où son fils avait été éduqué lors de ses derniers jours. D'ailleurs, dans l'article de La Provence de Madame Delphine Tanguy, on sait là qu'elle s'est, enfin, je veux dire, s'est expliquée, elle s'était liée d'amitié, c'est l'expression qui est utilisée, avec Monsieur Daron et son épouse. Et que suite au décès du fils, bon, je passe les détails, j'en parlerai une autre fois, mais le couple Nissen-Capitani décide de créer une école alternative avec Henri Dahan comme directeur. Voilà, donc elles savent qui c'est, je veux dire, elles savaient qui c'était, elles savaient quelle était sa pédagogie, d'autant plus que M. Dahan, c'est pas n'importe qui dans ce milieu-là, il était aussi délégué général de la Fédération française Steiner-Waldorf. C'est pas rien. Je rappelle encore une fois, je le rappelle, que la pédagogie Waldorf est indissociable de l'anthroposophie. D'ailleurs, la compagne de M. Dahan, Praxède Dahan, qui a été prof aussi à l'école Waldorf-Steiner près d'Avignon et qui a été embauchée à l'école du domaine du possible, voilà, en tant que professeur aussi, spécialisé dans l'eurythmie. L'eurythmie qui est une danse obligatoirement apprise dans les écoles Waldorf-Steiner, c'est d'ailleurs le seul endroit où on les apprend, c'est une danse qui a été créée par Rudolf Steiner, une espèce de danse ésotérique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Rudolf Steiner disait « L'élève qui refuse de faire de l'eurythmie ne doit pas rester dans l'école. Voilà. » Et Madame Praxède Dahan, plus que la pédagogie Waldorf-Steiner, Madame Praxède Dahan est membre du comité national de la Société anthroposophique en France depuis mars 2015. Et elle explique sur le site de la Société anthroposophique en France qu'elle est depuis 35 ans dans le mouvement anthroposophique. C'est clair, c'est net. Bon. C'est sans fondement. Bon. Comment Madame Nissen peut dire que les liens faits entre l'anthroposophie et son école sont sans fondement? Et si ça s'arrêtait à ce que je venais de vous dire, mais c'est pas le cas. Je passe sur les images de l'école que l'on a vue tout à l'heure. Donc c'est à la chapelle de Méjean, à Arles. Et on voit qu'on refait l'intérieur. Qui connaît l'esthétique des anthroposophes en matière d'architecture intérieure et qui voit les locaux de l'école ne peut arriver qu'à une conclusion. Il y a du Steiner là-dessous, quoi. C'est une évidence. Au premier coup d'œil, on reconnaît. Mais bon, passons sur cela encore. Je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là. Dans son article du Monde diplomatique, Jean-Baptiste Mallet rapporte un entretien qu'il a eu avec l'homme qui est à l'écran actuellement, M. Bodo von Plateau. Alors je cite l'entretien. En France, l'anthroposophie est vue comme une secte. C'est M. Bodo von Plateau qui parle. Hein. En France, l'anthroposophie est vue comme une secte. Françoise Nissen est heureusement une femme ouverte d'esprit. Nous sommes devenus amis. J'ai été heureux lorsqu'elle a été nommée ministre de la Culture, et je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « Il faut peut-être qu'on interrompe notre contact maintenant. » Elle m'a aussitôt répondu un texto avec un petit cœur qui disait « Voyons, ne sois pas fou. » Voilà. Qui est Monsieur Bodo von Plateau?
Eh bien, Monsieur Bodo Van Plateau est membre du comité de la Société anthroposophique universelle. L'entretien est d'ailleurs fait au Goetheanum. C'est le Vatican de l'anthroposophie qui est basé à Dornach, en Suisse, près de Bâle. Le Goetheanum a été fondé par Rudolf Steiner selon les principes de l'anthroposophie. C'est d'ailleurs à cet endroit, à Dornach, que le prophète décède. Ok, vous allez me dire, elle était juste amie avec une huile de l'anthroposophie, mais ça n'a aucun rapport avec l'école. Voilà. Attendez voir. L'association du Méjean a été créée par Monsieur Capitani et Madame Nissen à Arles, dans le quartier du Méjean, en 1984. C'est une association, une organisation qui s'occupe d'activités culturelles. Elle se trouve juste à côté de la maison d'édition d'Actes Sud et de la librairie Actes Sud dirigée par Monsieur Capitani, place Berberova, exactement, place Nina Berberova. Cette association accueille au printemps 2015 des conférences-débats sur les mêmes lieux que l'école, qui ouvre alors en 2014. Je ne l'ai pas signalé auparavant, mais lorsque l'école ouvre ses portes pour la première fois, les cours se passent à la chapelle Méjean. La saison suivante, elle s'installe dans un mât un peu plus loin, toujours à Arles, la Volpelière. Mais cette année-là, voilà, c'est dans cette fameuse chapelle. Donc la première année, l'école cohabite avec les activités culturelles de l'association Le Méjean. Et que ce soit cette école ou cette association, à la tête, il y a Madame Hyssen et Monsieur Capitani. Au printemps 2015, donc il y a toujours l'école dans cette chapelle, j'y arrive, il est organisé par l'association du couple d'Actes Sud des débats, conférences et ateliers sur le thème de la spiritualité laïque. Parmi les manifestations, le samedi 11 avril 2015 a lieu un entretien entre Edgar Morin, le fameux sociologue, le fameux philosophe sociologue, la photographe Georgia Fiorion et surtout Bodo Von Plateau et son épouse Isis Von Plateau. Un entretien sur le thème de la résistance poétique. Bon, c'est pas commun quand même. Alors vous allez me dire, Edgar Morin quand même, le fameux Edgar Morin, c'est une figure intellectuelle quand même, quand même. Bah ouais, bah écoutez, j'ai eu la même réaction que vous. Bah, sachez qu'il est conseiller de la Fédération des écoles Waldorfsteiner en France. Voilà. Le même jour, sont organisés des ateliers d'exercice d'observation. Méthode goethéenne. Rudolf Steiner était se référait régulièrement à Goethe. Dans son œuvre, il voyait énormément de références occultistes. Dans cet atelier, il y a aussi des exercices de mouvement d'eurythmie avec Praxedes d'Arhan, et puis de réflexion, la méthode contemplative avec Bodo Van Plateau. Voilà. Et dans la brochure d'ailleurs de la spiritualité laïque de ces rencontres, on nous présente sans sourciller Monsieur Jean Florin, pardon, coordinateur Jean-Michel Florin, coordinateur du mouvement d'agriculture biodynamique français, co-directeur de la section d'agriculture au Goetheanum. Je précise qu'au Goetheanum, il y a l'école supérieure des sciences de l'esprit. Rudolf Steiner, d'ailleurs, définit l'anthroposophie comme une science de l'esprit. Et dans cette école des sciences de l'esprit, il y a 11 sections actives dans la recherche, le développement, l'enseignement, la mise en pratique par laquelle l'anthroposophie peut féconder les différents domaines de la civilisation, intégrer la démarche spirituelle dans les domaines professionnels et approfondir la vraie pratique par l'approche spirituelle. Par cette dimension, l'ésotérisme, qui s'intéressait traditionnellement à la culture et au développement personnel de facultés spirituelles, est élargi à la relation entre la pratique spirituelle et la vie quotidienne spirituelle. Ce n'est pas moi qui le dis, vous voyez bien que je suis en train de lire, vous le sentez, c'est rapporté noir sur blanc, texto, sur le site du Goetheanum. Je répète, par cette dimension, l'ésotérisme, qui s'intéressait traditionnellement à la culture et au développement personnel des facultés spirituelles, est élargi à la relation entre la pratique spirituelle et la vie quotidienne spirituelle. C'est rapporté sur le site du Goetheanum. Et parmi les sections de cette école des sciences de l'esprit, il y a évidemment une section pédagogie. En définitive, la pédagogie Waldorfsteiner a pour but de diffuser l'anthroposophie, c'est-à-dire l'ésotérisme et la pratique spirituelle dans la vie quotidienne.
Voilà. D'ailleurs, Madame Monty Houston, qui est une ancienne élève des écoles Waldorf-Steiner, qui est une écrivaine canadienne, nous explique clairement que quand elle est allée à l'école, on ne lui expliquait pas ce que c'était l'anthroposophie de but en blanc, c'est-à-dire cette forme d'ésotérisme, mais on la lui faisait pratiquer, on la mettait en pratique. Et je crois qu'on ne peut être plus clair. On va le voir un peu plus tard. L'autre intervenant de l'atelier, je reviens à ces fameuses rencontres spirituelles, l'autre intervenant de l'atelier avec Jean-Michel Flourin, c'est Praxède Dahan, polorythmie, dont j'ai déjà parlé, et qui est présenté tel quel dans la brochure, professeur de rythmie dans différentes écoles Steiner. Et puis le troisième larron pour les ateliers, c'est Bodo von Plateau, membre du directoire du Goetheanum. Voilà, donc c'est tout de même assez clair, il me semble. Le vendredi 29 mai, c'est Madame Monty Houston, écrivaine canadienne publiée par Actes Sud, qui va intervenir dans ses rencontres sur le thème de la fragilité de l'humain. Madame Houston, c'est une écrivaine qui ne cache pas admirer la pédagogie Waldorf-Steiner et qui la défend quand elle le peut. C'est une ancienne élève des écoles Waldorf-Steiner aux États-Unis. Et sur le site waldorfsteiner.org de la Fédération française, elle dit ceci exactement: on nous enseigne jamais directement sa philosophie, entre parenthèses, l'anthroposophie, j'aime bien ce mot. Plutôt, on l'applique dans les manières d'aborder toutes les matières. On ne peut pas faire plus clair et plus honnête, ce que je respecte d'ailleurs. Car quand on pose la question aux professeurs de ces écoles sur le lien entre anthroposophie et pédagogie Waldorf-Steiner, comme on le fait avec Madame Nissen, qui est la créatrice de cette école, ils font de sacrées contorsions pour contourner le sujet, pratiquent la langue de bois, quoi. Voilà. Le lendemain, le samedi 30 mai 2015, au soir, après des ateliers encore avec ces fameux pontes dans l'anthroposophie, c'est Nancy Houston qu'on retrouve et le pianiste et compositeur Quentin Sirjac dans leur spectacle Anima laïque, Rite et rythme pour une existence sans Dieu. C'est une lecture-concert qui sera d'ailleurs jouée à nouveau le 26 octobre 2018 au pays de Nancy Houston, au Canada, plus exactement à Montréal et plus exactement dans l'école Rudolf Steiner qui s'y trouve, Waldorf Steiner. Du coup, on peut revenir au premier jour de ces rencontres, dont je n'ai pas parlé, et qui a pour thème le domaine du possible. Le même nom que l'école de Nissen. Il n'y a pas de lien entre l'anthroposophie et son école. Premier jour de ces rencontres, le thème, c'est le domaine du possible. Le même nom que l'école de Madame Nissen, le même nom que l'une des collections d'Actes Sud, collection qui est dirigée par un colibri, n'est-ce pas? Cyril Dion, celui qui a réalisé le documentaire À demain, et dont la suite, Après-demain, a été projetée par une banque en avant-première à Paris. Une banque, quoi, qui projette un documentaire sur l'environnement, les entreprises écolo, etc., etc. Une banque. C'est particulier, non? Et cette banque, c'est la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle, fondée par deux anthroposophes en 1978, Jean-Pierre Bidault, professeur à l'époque dans une école Waldorf, et Henri Nouwirit, qui était parent d'élève d'une école Waldorf. Aujourd'hui, la NEF affirme ne plus cultiver de lien avec la pensée et le mouvement anthroposophique, tout en étant, comme dit Pierre-Emmanuel Valentin, précédent président du directoire de la NEF, dans l'émission de la chaîne Thinkerview du 31 mai 2017. Et bien, on va le laisser s'exprimer. Ça va avec une vision d'homme qu'on va qualifier de transcendante, même si ce mot peut faire peut poser question, mais c'est bien notre pourquoi ça pose question cette la vision transcendance d'homme qui est à l'origine de cette démarche de la NEF. La transcendance, pourquoi ça pose la question? Parce qu'on est dans un monde où tout ce qui est de l'ordre d'une dimension supramatérielle pose problème. Nous revendiquons une ouverture à une dimension spirituelle, transcendante, même si nous sommes ancrés dans le réel, nous exerçons un métier de banque. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Steiner? Oui, bien sûr, puisque cette philosophie de Rudolf Steiner fait partie de nos racines, nous en avons d'autres, mais ça fait partie de nos racines, et certains des militants originels de l'association La Nef
même si je ne les ai pas côtoyés compte tenu de mon jeune âge, mais il m'a été raconté qu'il faisait partie effectivement d'associations proches de la pensée de Rudolf Steiner. Et pour vous donner un exemple très, très concret, hein, cette pensée de Rudolf Steiner a notamment inspiré le mouvement agricole qui s'appelle la biodynamie, hein, qui est une forme de... Vous parlez de Pierre Rabhi, c'est ça ? Non, non, bien avant Pierre Rabhi, hein, la biodynamie est assez ancienne. Pierre Rabhi, c'est plutôt l'agrobiologie, mais les deux démarches sont très proches, elles s'interpénètrent. Ah, au départ, mais... 100% du board était anthroposophe, non ? Écoutez, au moment où... Qui vous a rapporté ça, d'ailleurs ? Eh bien, c'est la chaîne des fondateurs, hein, puisque les fondateurs de l'association se sont retrouvés à la base de la fondation de la société financière en 1988. Et donc, des écrits ont été posés sur la vision des fondateurs de la NEF dans la relation avec l'argent. Donc moi, ça ne me pose pas problème que l'établissement qui m'emploie et auquel je consacre toute mon énergie ait des racines. Non, Steiner, vous connaissez son idéologie ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de la pensée de Rudolf Steiner. Bah, non plus, vous savez, on a passé votre dossier en 7 heures, on a fait 3 heures d'internet. J'ai regardé et lu un certain nombre de ses propos concernant, je dirais, la médecine, concernant l'éducation. Non, ça, je n'ai pas côtoyé ce... C'est une partie très contraignante, quand même. Hein. Je n'en doute pas, mais quand si je parlais... dans le mauvais sens du terme. Quand je parlais tout à l'heure de racines, ça ne fait pas partie des racines qui nous ont inspirés. Vous pouvez comprendre que sur Internet, certains vous reprochent d'être un peu comme la... Je ne sais pas si le parallèle va être bon ou si la parabole va être bonne. Mais on vous reproche d'être un petit peu la scientologie de la banque. Écoutez, moi je suis respectueux de toutes les pensées, y compris les pensées critiques. Vous êtes respectueux de la scientologie ? C'est une secte en France. C'est une secte, mais je ne les connais pas. Je ne suis donc pas spécialement respectueux de la scientologie. Voilà, on n'est pas anthroposophe, mais voilà, on est fidèle au précepte de Rudolf Steiner. Non, c'est pas clair tout ça. Hein. C'est comme les propos de Madame Nissen sur France Inter, pas clair. Bon, j'ai digressé, ça me semblait important de le faire. Donc, premier jour de la rencontre à Arles, je reviens à ces histoires de spiritualité laïque. Le thème, c'est le domaine du possible. Et parmi les ateliers, encore une fois, de ces fameux pontes de l'anthroposophie, il y a une intervention, celle de Jeanne Benhammer, écrivaine aussi, publiée par Actes Sud. Et cette intervention, c'est le titre, c'est « L'altérité au risque de l'altération ». Gardez bien ce titre en tête. Sur le site lafée.fr, Jeanne Benhammer est présentée comme la meilleure amie de Nissen. Donc en fait, c'est pour ça qu'elle est invitée à ses rencontres. C'est une auteure, elle est éditée par Actes Sud, et puis c'est la meilleure amie de Nissen. Bon, il n'y a pas d'anthroposophie, vous allez me dire, je vois le mal partout, etc., etc. Attendez un petit peu, attendez. Quand j'étais étudiant à la fac, à Avignon, je suivais un cours, littérature francophone du Maghreb et de l'Afrique noire. Bon, on étudiait les auteurs classiques de la littérature francophone du Maghreb et d'Afrique noire, leur motivation, leur style, etc. etc. Puis nous avons eu droit aussi bien des cours sur les nouvelles voies de cette littérature. Et parmi celles-ci, il y avait celle de Jeanne Benhammer, qui est d'origine algérienne en partie, qui est un auteur de romans pour enfants et adultes, édicté par Actes Sud depuis 2011, alors qu'elle a commencé sa carrière en 1991. C'est quelqu'un de respecté dans le domaine littéraire, et qui est sans doute respectable, pas de souci à ce propos. Mais cette histoire de l'altérité au risque de l'altération, elle en parlait le 13 mai 2010 sur le blog de la Fédération Waldorf Steiner, déjà. Et elle en parlait à nouveau sur la revue Sentier de juin 2012, Sentier, la revue du mouvement de la pédagogie Waldorf Steiner. On y retrouve le texte de Jeanne Benhammer. Il y a d'autres textes d'ailleurs, et c'est très cocasse, parmi ces textes, on en trouve un autre, d'Henri Dahan, La culture de la note, un modèle en déroute. Bon, un drôle de petit monde quand même. Voilà pourquoi
Peut-être Madame Benhammer se retrouve dans ces rencontres de spiritualité laïque. Peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas. Alors, toutes ces rencontres sont rapportées dans une autre revue qui s'appelle « Les nouvelles de la société anthroposophique en France ». On ne peut pas être plus clair. « Les nouvelles de la société anthroposophique en France », dans le numéro de septembre et octobre 2015. Et le titre, c'est de l'article de l'entretien en fait qui va avoir lieu, c'est partir du point zéro, spiritualité laïque, chemin vers une spiritualité humaine. Bon. La revue souligne avec ses rencontres, je cite, en arrière-plan, il y a un projet d'école initié par les dirigeants des éditions Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani. Bon. Je sais, il n'y a pas de lien entre l'anthroposophie et cette école. On y apprend que ces rencontres sont conçues en fait par Bodo von Plateau et Isis von Plateau, en tout cas c'est ainsi qu'ils le présentent, ainsi que par M. Flourin et par Henri Dahan. Il y a un entretien qui s'ensuit dans cette revue. La première question, qu'est-ce qui est plus important dans ce thème de la spiritualité laïque, pourquoi l'avoir choisi? Et M. Capitani répond, quand on prend la responsabilité d'éduquer des enfants, on ne peut pas évacuer la problématique de la spiritualité. Il continuera plus loin dans cet entretien, dont je vous recommande la lecture, qui est édifiante. Il continuera un peu plus loin, quand on lui pose la question de l'école à nouveau, il parlera d'aptitude spirituelle des enfants. Henri Dahan va corroborer en expliquant que les écoles Waldorf, dans les écoles Waldorf, je cite, « les enseignants sont humainement pénétrés par des questions profondes de lien entre la spiritualité et la réalité de la vie quotidienne. » Ça ne vous rappelle pas ce que disait le Goethe-Hanum. Bodo von Plateau, lui aussi, va continuer avec la vision de Steiner qui veut revoir le sens de la pédagogie. Et il affirme, ému, je cite, « ce qui m'a touché, c'est le lieu, c'est la disposition de Jean-Paul Capitani et de Françoise Nyssen, de Praxède et Henri Dahan. Ils veulent aller plus loin. » Il dit aussi, et Bodo von Plateau dit aussi, ce qui n'est pas étonnant pour ceux qui connaissent ce milieu, je cite, « l'école ne sera pas présentée aux parents comme une école Steiner ou Waldorf. » D'ailleurs, on comprend, avec Henri Dahan, à la suite, que cette école va devenir une sorte de laboratoire. C'est pour cela que plusieurs personnes ont appelé l'école du domaine du possible une école Waldorf-Steiner 2.0. Et il y a une question importante qui est posée, et qui est celle-ci. Comment liez-vous anthroposophie et spiritualité humaine? Donc on a compris que spiritualité humaine et spiritualité laïque, c'est pareil. Donc comment liez-vous anthroposophie et spiritualité humaine? Bodo von Plateau va répondre ceci. Pour moi, c'est absolument la même chose, nommée différemment. Voilà, l'anthroposophie, c'est la spiritualité laïque, pour lui. Il le dit clairement. Il y a, en face de lui, Monsieur Capitani et Madame Nyssen, il le dit clairement. D'ailleurs, Monsieur Capitani répond tout de suite et il dit qu'il comprend rien à l'anthroposophie, mais qu'il aime bien l'étymologie du mot, dans lequel il se sent à l'aise, plus que le mot théosophie. Et puis Jean-Michel Florin, de continuer, l'anthroposophie, de toute façon, ça veut dire la spiritualité humaine. C'est la même base. Françoise Nyssen est présente, comme je vous dis, à cet entretien, et rappelle le suicide de son pauvre fils qui est à l'origine de tout cela. Je cite, « il a fallu un choc, un drame, pour que tout d'un coup le voile se déchire et que la spiritualité parvienne au centre de ma vie. » Voilà, la boucle est bouclée, quoi. Mais j'ai pas tout à fait fini. Je vais revenir sur la fameuse amie de Madame Nyssen, l'écrivaine Jeanne Benhammer. Bon, on a vu quand même les liens entre la pédagogie Waldorf-Steiner et l'écrivaine. Mais il n'y a plus remarquable. En octobre 2017, bien après ces rencontres de spiritualité laïque, les livres de Madame Benhammer sont édités en Allemagne. C'est très bien pour elle, bravo. À cette occasion, elle fait la une d'une revue allemande, la revue A Tempo. Elle est carrément en couverture et il y a 4 pages d'entretien qui lui sont consacrées. Cette revue est tenue par Monsieur Jean-Claude Lin. Et cette revue appartient aux éditions Freies Geistesleben. Alors, qui est Jean-Claude Lin? C'est un Anglais à la base. C'est un Anglais qui est un ancien élève de la New School King's de l'anglais. C'est l'une des premières écoles Waldorf-Steiner en Angleterre. En 1991, il est membre d'édition
de la maison d'édition Freies Geistesleben. Depuis 2000, il est responsable de la rédaction de A Tempo. Et depuis 2015, il est directeur général de cette maison d'édition Freies Geistesleben. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maison d'édition Freies Geistesleben? C'est une maison d'édition qui est basée à Stuttgart et qui est la maison d'édition anthroposophique la plus importante. Elle a été d'ailleurs fondée en 1947 à l'initiative de l'école Waldorf de Stuttgart. Et à l'origine, elle publiait des textes de la communauté des chrétiens. C'est une communauté religieuse qui a été créée par Rudolf Steiner et qui répond aux engagements de l'anthroposophie. D'ailleurs, Freies Geistesleben signifie en français la vie spirituelle libre. Ça vous rappelle pas l'entretien dont on a parlé tout à l'heure, là? Il n'y a qu'un pas vers la spiritualité laïque. La spiritualité libre, la spiritualité humaine, c'est l'anthroposophie, c'est la même chose, disait Bodo von Plateau. Madame Benhammer est éditée en Allemagne dans la collection Octaven, collection qui appartient à l'éditeur Freies Geistesleben. Voilà, voilà. Et la meilleure, je ne vous ai pas dit la meilleure en fait. La meilleure, c'est que la personne qui a remplacé en urgence Henri Dahan, quand celui-ci a été viré, quand Monsieur Jean-Paul Capitani lui a dit clairement par ces termes-là, casse-toi Henri, casse-toi Henri. Donc la personne qui l'a remplacé en urgence, je vous le donne en mille, c'est Madame Benhammer, Madame Jeanne Benhammer. Voilà, c'était juste pour entendre, hein, puisque désormais, effectivement, il y a un nouveau directeur. On va voir ce que ça va donner. L'école se s'est attendue au tournant. Moi, je sais personnellement que malgré l'éviction du couple Dahan, il y a d'autres profs encore assez nombreux qui sont issus de la pédagogie Waldorf Steiner, de ce milieu-là, encore pas mal. Il y a notamment la fille du couple Dahan, mais pas seulement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, il n'empêche que c'est particulier, quoi. Il n'y a pas de lien entre l'anthroposophie et son école à Madame Nissen. C'est hors sol. C'est une accusation qui n'a pas de fondement. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Elle dissocie sa vie, ce qu'elle fait dans son maison d'édition, son école. Bon... Elle publie la biographie de Steiner chez Actes Sud, de Steiner. Elle publie un bouquin récemment qui s'appelle La biodynamie, une agriculture pour l'avenir, et qui est préfacé par le fameux Jean-Michel Florin, le responsable de la section agriculture des sciences de l'esprit à Dornac. Le livre est écrit par un collectif d'anthroposophes dirigé par Ueli Hörter, qui est co-directeur de cette section agriculture au Goetheanum. Et où il est expliqué clairement dans ce bouquin que l'agriculture biodynamique se fait à travers des rites occultistes suivant le programme anthroposophique. Et c'est clair et net quand on regarde ce bouquin. Aucun lien avec l'anthroposophie. Une école peut-être, je sais pas. En tout cas, sa maison d'édition publie, il y a même une accélération de bouquins en ce sens-là qui sont plus ou moins liés à l'anthroposophie. Ça, j'y reviendrai, je pourrais faire le listing, mais j'y reviendrai comme je parlerai de la faculté d'Avignon et de Madame Nissen, et puis de tout un tas d'autres choses, j'en garde sous le coude. Que Madame Nissen dise que l'anthroposophie n'a aucun lien avec son école, personnellement, mon avis est fait, et il n'engage que moi. Je vous ai donné des informations, à vous de vous faire votre propre avis, j'ai mis des liens en descriptif. Cherchez, quoi. Écrivez sur le moteur de recherche le mot, juste ces mots-là, Benhammer et Waldorf, par exemple. Bon, bref, à vous de voir. Pour ma part, je reviendrai bientôt. D'ici là, portez-vous bien.